Et bonsoir, salut Lucos, comment ça va? Ah si, on devait tuer un inquisiteur en chef, si, bah ouais, voilà, je me souviens. J'allais dire, je me souviens plus de ce qu'on fait, mais si, on va buter l'inquisiteur. Ça va. Alors, on est mercredi, Lucos, donc généralement le mercredi, t'as des champions dont tu dois me parler. Salut Phoenix! Ça va? Oui, ça va, et toi? Je suppose que tu vas pas au bar parce qu'il fait moche. La tombe des volontés se dresse devant vous, ultime destination des habitants des bas-fonds. Ici, la mort garantit enfin La l'égalité. piste de l'inquisiteur en chef se termine Oui, il ici. pleut. On doit se trouver Pas dans la moi. tombe. Moi, il Si pleut pas, c'était un là. piège. Puisque tu abordes le sujet. Ah, mais on sait que tu vas avoir des winners. S'il s'agit d'un piège, il n'est pas très discret. Nous sommes les jumeaux du crépuscule. L'inquisiteur en chef s'est trompé. Vous échangez un bref sourire, vos regards se croisent et s'attardent un peu plus qu'ils ne le Très devraient. bien. Allons à la rencontre de notre destin ensemble. Alors là, je vais avoir un pavé, voire deux pavés, de la part de Lucos. Là, c'est calme, mais si c'est pour me faire rasser au retour, je suis moyen chaud. Non, mais je comprends totalement. T'inquiète pas, je comprends totalement. J'ai vu ce qui est tombé tout à l'heure, j'ai fait ah, bah, il risque de pas avoir grand monde. Voilà. Ah bah, ma pseudo-directrice qui en branle pas une et sa supérieure qui nous fait perdre du temps et crédibilité. Un classique, j'ai envie de te dire. Voilà, ça reste classique, nous sommes d'accord par rapport à ce que tu me racontes depuis 3 ans. Mais, petit plus corollaire au noyau. Non, c'est pas ça? Ah bah ils ont ouvert la porte qui était fermée. Non, je continue mon chemin, t'inquiète pas. Le mec, il passe devant le monstre en mode... Eh hey, c'est bon, salut! Ah bah j'ai bien fait de passer en fait. Ah des 49. Ouais, quoi que ça se joue. Je risque d'avoir des pertes, c'est pas ouf. Olé! Oh les 65 par contre je suis pas foufou hein. Merde, non, je suis con. Attendez. On ressort. Le temps que Lucas finisse de taper son pavé. J'avais plus de sort à étudier, j'avais plus de sort à étudier, il n'y avait pas de mercenaires intéressants dans la rue. Ouais, les deux mercenaires qui étaient les plus intéressants, je pouvais les recruter moi-même, donc. C'était inutile, inutile. Suis réveillé avec personne. Mais j'ai récupéré de la thune. On tourne à la SMP, on tourne à la SMP. Imagine un petit con de 7 ans qui a pour une balle de... qui, pour une balle de tennis confisquée, me crache à la gueule à plusieurs reprises et me traite de bâtard. Me balance un NTM et des TG. Si mes supérieurs ne me font rien, je porte plainte. Mais c'est normal. Enfin, c'est normal. Oui, c'est normal. Ça s'appelle avoir de l'éducation, du respect. Crache pas la gueule des gens et tu t'amuses pas à te dire NTM ou TG aux gens. Enfin, moi, tu peux me le dire, hein, NTM. Je vais te répondre un truc qui va te mettre mal à l'aise, généralement, en mode j'aime pas l'état de cendre. Voilà. Ça me met mal à l'aise quand le mec il comprend ce que je veux dire. Mais oui, mais après, à 7 ans, ils vont rien faire, quoi. Enfin, tu vas porter plainte, le gamin, il va rien avoir. C'est ça qui est con. Dans les tréfonds de la tombe, vous trouvez l'inquisiteur en chef, debout devant une stèle que vous connaissez, celle de votre père. Écartez-vous de lui. En fait, l'inquisiteur en chef, c'est ton père? Ça fait un an que ce gamin, on lui passe tout. Ouais. Ouais, donc ouais, non. Putain, j'ai de ces cernes. On voit une barre là. Là, j'ai la marque de guts, sauf que moi c'est pas une cicatrice, c'est les cernes de fatigue. Ah mais oui, après au bout d'un moment, voilà.
D'un air de défi, l'inquisiteur en chef arrache le crâne de votre père pour Nous l'observer. avons consacré tant d'années à vous chercher, Néphilim. Katanira m'envoie. Ah, mais je porte plainte contre mes supérieurs et sa famille, pas lui. Oui, non, mais de toute façon, oui, porter plainte contre un gamin de 7 ans, ça sert à rien. Donc oui, il faut porter plainte contre la famille et contre les supérieurs. Après, je sais pas si ça débouchera quelque part. Hein. Je me souviens. Mon pouvoir s'est manifesté. Ils ont envoyé des troupes. Et mon père est mort en essayant de me protéger. Et pour cette raison, je l'ai tué. Sous vos yeux, l'inquisiteur réduit en poussière le crâne de il votre en père. Est de même pour tous ceux que vous aimez, même l'autre là. À moins que vous ne périssiez. Et je t'ai tué combien de fois déjà? Trois fois? Les centaines de morts, les elfes qui envahissent ma terre, ma mère. Tout ça juste pour m'atteindre? Oui. La dirigeante suprême a besoin de vous, comme le monde a besoin d'elle. Je ne m'arrêterai pas, cela m'est impossible. L'âge du voile est révolu. Vous échouerez et l'Empire. J'attends juste ma réunion lundi pour voir la réaction de ma pseudo-direction. Bah, s'ils étaient déjà au courant et que ça fait un an, la réaction, je te la donne tout de suite, hein. En mode. Oui, mais bon, t'exagères. Il est pas si terrible. J'aime pas trop beaucoup ça. D'habitude, il y a des mecs avec. Là, ça me fait un peu penser au combat contre l'ange. J'aime pas trop beaucoup ça. Inquisiteur en chef. Ah oui, bah voilà. Voilà, il a amené des copains, ça me rassure. Comment ça se fait que... Juste une petite bouchée. Juste une petite bouchée. Ah oui, non, mais ils sont ultra loin, les cons. Ah, comme ça, il servira à rien. On va tuer toute la marmaille. Il y a des assassins. Ah oui, mais ils sont ultra loin. Comment ça se fait qu'il y avait des endroits... Vaincre l'inquisiteur en chef. Oui, ça c'est objectif, mais il y avait des endroits empoisonnés. Votre sang se souille rapidement. Non, mon sang va bien. Très haut. Non, il va pas t'envelopper, mec. Alors, lui. Tu me serviras le temps venu. Mais c'est piégé de partout. Les os sont faits pour être écrasés. Voilà, et en même temps, je gagne une banshee. Je les ferai souffrir. Voilà, comme ça, ces deux-là seront aveugles. Ah, elle est pas aveugle, elle. Dame. Lui, il est aveugle. Yes. Mon corps est rage. Mon corps est rage. Mais comment ça se fait que je me prenne des dégâts juste parce que je marche? On va essayer d'en tuer le maximum rapidement. Hein. Tu es mort. Ah bah oui. Chose pitoyable. Ah. On se souviendra de toi. Yes. Indépendance des. Indépendance des. Il fait le ménage. Il défonce tout le monde. Il m'en a tué trois, l'indépendance d'elle, à ce coup-ci. Il a été violent. Oh, je vais m'amuser. Apprécie la douleur. Oh, quel gâchis de chair mortelle. C'est son œil, mon père.
Ah, il lui reste pas grand monde, hein, l'inquisiteur en chef. Suivez le chemin sacré. Oui, paquez-vous, paquez-vous. Nourris-toi d'eux. Pas que toi avec l'autre. Viens par là ou là. Pas tout à fait ce que j'avais demandé. Lancer puissant. Lancer d'impuissance. Ok, bon alors maintenant le comment lui. C'est quand même censé être le gros chef. Jugement de l'inquisiteur. Ouais, bon, il a les mêmes capacités qu'un inquisiteur classique, c'est ça. Genre, c'est direct à lui. Je traque ma proie. Non mais sérieux, dès que je veux faire un pas, je me prends des dommages. Ancien dieu, éveillez-vous. Non, non, ils vont rester endormis, les anciens dieux, ça cherche pas. Voilà, encore un de moins. Je suis éternel. Non, t'es pas éternel. T'es un petit con. Meurs. Ah ah, l'inquisiteur en chef commence à avoir des dégâts. En tout cas, il a plus d'armée. Pour le régent suprême, tu n'es rien. Double frappe de l'inquisition. Double esquive du Mawashigeri dans ta gueule. Putain, mais elle déclenche rien, c'est la seule qui passe tranquille. Oh, bah, c'est tout, hein. Elle s'est approchée, elle aura rien. Parfait, alors lui il a même pas besoin de se déplacer. Les os sont faits pour être écrasés. Il est aveugle? Non. Yeah. Non mais lui il va crever, hein. Soyons honnêtes. Il va mourir et rire de genre des sédances. Venez, mes chéris. Enfin, son mage, je suis pas sûr que son mage il fasse son tour là. Ah. Je fais un avec tout. Pour le très haut. Voilà. Le mec. Est-ce que je peux l'amener au contact? Non, il est immobilisé. Ok. Comment ça se fait qu'il est immobilisé? J'aime pas trop beaucoup ça. Mais bon, tant pis. Voilà. Quand je disais qu'il était mort. Éclasse-toi sur mes pierres. Genre, j'ai pas eu le droit de jouer avec ma Banshee. Mais oui, mais ils vont faire des dégâts qu'à un seul pour le moment, donc ça va. À moins que l'inquisiteur en chef ait des renforts. Ce que je doute. Attends, j'ai pas un truc de défense ultime contre... Attends, on doit bien avoir. Rayon divin, non. Non, mais il n'y a pas un sort de péter as fuck. J'ai pas le sort d'armure ultime. Bon, on va faire ça, hein, de la défense. Il n'y a pas besoin de bouger pour te faire des dégâts en réalité.
Petite info. Une actu du Kickstarter. Actu numéro 1. Oui, car j'ai kickstarté un jeu de société. The Kickstarter took off yesterday at 5 p.m. and you were there. Incredible start. The first 3,000 riders have joined the Spark crew and the project is over 70% fund. The funding goal is finding which stretch goals are coming. Demain, petite émeute à prévoir au taf, j'amène mon second PC, un PC portable pour faire jouer aux gosses à des jeux indés. Ah oui, non mais oui. Many of you have proposed ideas for the stretch goal and we have taken them all into account. So we are happy to announce that the material of the Raider, Commander and Prosperity box will quickly improve because many stretch goals are coming. Mon accent anglais est à chier. Hein. Some of them will be revealed tomorrow. Le pire, c'est que je voulais un truc en anglais parce que c'est Kickstarter. C'est une boîte française qui fait le jeu. Hein? Histoire de rigoler jusqu'au bout. Mais le petit jeu de société avait l'air sympa, c'est pour ça que j'ai pris. C'est pour ça que j'ai claqué ma thune dedans. Ah, attends. Hop, hop, désolé. Hop, hop, hop. Bon. Je m'en fous pour le moment. Et Humble Bundle. Intéressant. Humble Bundle. Pas du tout intéressant en réalité. Tant pis. J'ai soif de bataille. Non mais... Elle fait un pas, elle déchaîne les ténèbres sur sa gueule, elle. Je les ferai souffrir. On libère une place quand même pour que l'autre y puisse passer. Affronte-moi. Allez, douille, Mother. J'ai pris 40 de dégâts. 72 de dégâts. Mais sérieusement, le mec, il est venu faire quoi? Ah, il est immobilisé. Mais c'est chiant parce que je ne sais même pas, en marchant sur les cases, ce qui va me tomber sur le coin de la figure. Alors ça va, il y en a 2-3 qui tapent à distance, donc c'est pas un problème. Mais les autres, ils font comment? Tu vois, eux, ils ont pas besoin de se déplacer, elles non plus. Elle a juste besoin de se déplacer, mais elle s'en fout parce qu'elle fait pas les dégâts. 40 gigas de RAM et 60 gigas de disque. Et je ferai pas tourner grand chose. Il fera juste tourner les serviettes. Lucas ne fait tourner que deux choses dans la vie. Les serviettes et les mandales. C'est combien de temps que ça dure? Ouais. Normalement, ça va pas tarder à... il va pas tarder à récupérer son cri. Souillera juste. Je veux pas finir cette phrase. Voilà, parce que je mets la vampire là, je mets l'autre là, il est quasi encerclé, ça va être parfait. Guérison du très haut, guérison de l'enfoiré. Ouais, bah d'un autre côté, il y a elle qui doit soigner. Forcément. C'est pas du jeu. Ah tiens, attends. Non, parce que tant qu'à faire, on t'immobilise, on fait muet. Ah, je suis aussi immobilisé, d'accord. Elle est immobilisée ce tour-ci, donc écoute, elle va pas faire grand-chose. Elle va se soigner et elle va être invisible. Gérard Majax, je ne suis plus là. Bah mais tu fais pas de dégâts.
Enfin, à part m'interdire le cimetière, ce qui est en soi un peu chiant pour les sorts de résurrection que je ne possède pas. En quoi t'es embêtant? Allez, au combat. Sachant que elle, elle a une sorte de sort de soin, elle, elle a une sorte de sort de soin, elle a une sorte de sort de soin. Donc à moins que tu m'aies prévu une petite surprise, je vois pas ce que j'ai à craindre de toi, petit inquisiteur. Chose pitoyable. Alors sinon, il faut qu'elle se rapproche. Non mais je lui ai fait presque la moitié de sa vie sans trop de difficultés en vrai. C'est une fois qu'ils sont placés, mes gars, ils ont plus besoin de se déplacer. Lui par exemple, c'est Mandal. Et Mandal. Non mais voilà, il se fait soigner. Tricheur, est-ce que moi je me fais soigner? Oui, mais c'est pas pareil. En fait, Sélénix, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Ressentez la peur. Bah, il est plus là. Vous êtes deux sur la table Starfinder. Non, c'est Mandal Alcor. Ah, t'as vu, j'ai bien lu direct. Malgré ta faute. Voilà, donc je sais qu'il y a un deuxième joueur, il m'a pas contacté. Bon bah il aura un prêt tiré, hein, et puis c'est tout. Et du coup je me suis demandé, est-ce que je fais le scénario que j'avais prévu ou est-ce que je me fais chier à essayer de traduire le scénario en anglais? Bon, la réponse va être vite vue, je pense que je me ferai pas chier à traduire le scénario en anglais. C'est pas que ça me fait chier, mais quand même, hein, l'anglais et moi, voilà. Bon après sinon ça veut dire prêt tiré obligatoire en anglais. Vous êtes pas capable de lire l'anglais comme certains. C'est mon regard se porte sur un certain pseudo commençant par un C et finissant par Edenix. Ah merde, c'était pas le bon sort que j'ai lancé. Tant pis. Mais si c'est un pré-tiré, non merci. Ah bah oui, ça sera un pré-tiré dans ce scénario là, t'auras pas le choix. Apprécie la douleur. Dans ce scénario là, c'est pas le choix, scénario pré-tiré. Enfin, personnage pré-tiré. Endurez ces épreuves. Ouais, j'ai déjà fait la moitié de sa vie. Je regarde tellement pas sa vie à l'inquisiteur, tellement j'en ai rien à faire. Yes, ma banshee était presque morte. Ah bah non, c'était avant. C'est incroyable comment je le défonce. C'est censé être un boss. Pour moi, il a rien d'un boss là. À part une barre de PV, il a rien d'un boss. Il me fait pas mal, j'ai aucun danger à l'affronter. Je sais pas quel niveau était son équipe, mais... Bah, je les trouve nuls, quoi. T'es nul, l'inquisiteur en chef. T'es censé être l'inquisition le plus puissant de ton ordre. Si t'es le plus puissant de ton ordre, on comprend pourquoi il est aussi foireux, ton ordre. Ça sert à rien le deuxième parce que même s'il fait beaucoup de dégâts, il saigne déjà donc l'intérêt principal est limité.
Là, c'est un intérêt. Parce que là, ça le rend aveugle, techniquement. Bon, le dernier, il peut se ramener, là, histoire que je finisse un peu mon camembert. Tu n'es rien. Ah bah là, il fait des dégâts. Là, c'est bien. Bon, inutile, mais bien. Là, il m'a fait un petit peu peur. Là, je me suis dit, il va me tuer, mon vampire. Bon, après, j'ai vu les dégâts qu'il a fait. Hein, c'est... Nous sommes les vrais servants de Maîtresen. Je suis sa fureur. Allez, une petite provocation. Du coup, si lui provoque et l'autre provoque aussi, comment ça se passe ? La souffrance est un cadeau. Voilà, pas de soucis avec. Notre lumière divine et notre force. Le prochain tour, techniquement, j'ai sa vague de mana. Enfin, de magie. Ah oui, mais là... Là, c'est pathétiquement faible, hein, cet ennemi. Ah, elle a manqué. Allez, on booste tout le monde. Et on tabasse. Voilà. Un chevalier de la mort qui tue l'inquisiteur. Ça, c'est assez ironique. Ah. Il y avait un truc pas très normal en lui. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Son pacemaker, il était pas ouf. Peu importe, Néphilim, vous ne pouvez pas me tuer, c'est impossible. Ah bah, c'est pour ça qu'il survit. Je suis condamné à renaître tant que je n'aurai pas accompli sa volonté. La mort ne peut me libérer de ce fardeau. Peu importe ce que veut Katanira, vous échouez à nouveau dans votre mission. Elle est le changement qu'attend Nevendar, pas vous. Elle doit prononcer le nom. Vous enfoncez Riff dans le ventre pourri de l'inquisiteur et vous tournez. Une fois pour votre père et une autre fois pour votre mère. Une fois pour les bas-fonds, puis pour l'empereur. Et pour toutes les atrocités dans le voile que, dont le voile s'est rendu coupable. Autant dire que j'ai fait une Beyblade avec mon épée. J'ai mis l'épée, j'ai fait Beyblade en tapant sur la garde. Comme avec Véran, la force vitale corrompue de l'inquisiteur émerge lentement de son cadavre et vient nourrir les plaies d'Arus. Ah oui, de l'armure. Je ne comprends pas. Mon armure réagit aux démons possédés par Arus. Elle n'avait jusqu'ici absorbé que Véran. Un ange. La question reste en suspens, tandis que vous replacez avec amour les... restes de votre père dans sa sépulture. Vous quittez la tombe avec davantage de questions que de réponses. Alors, j'ai un nouveau point. On avait commencé quoi ? Ignorer les dégâts, hein. C'est bien d'ignorer les dégâts, les résistances. Mais attends, l'épée de l'inquisiteur... Oui, d'accord, elle est que pour une certaine classe, quoi. C'est... Mais du coup, ils vont m'envoyer dans l'ancien endroit où travaillait papa parce qu'il y avait un truc caché. Ah, une saleté dans l'œil. C'est pareil, dans la coin de Mortis, il y a une salle qu'on pouvait pas ouvrir. Est-ce que ça va nous permettre de l'ouvrir ? Peut-être. Ou peut-être pas. Alors que vous émergez de la tombe des volontés, vous n'entendez plus le son distant des cris de combat, mais plutôt celui de la fête. D'une certaine manière, même si ça paraît impossible, vous êtes victorieux. En dépit de tout, les bas-fonds s'élèvent à nouveau. C'est la fête! C'est la fête! Je sais pas, on m'a dit c'est la fête, je fais la fête. Hein.
Ta 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 ta. Alors le choix entre ces deux trucs ou... Non, mais de toute façon, j'ai que ça. Vous retournez auprès d'Aeritis, mais il n'est pas seul. Toute la famille d'Orion est là. Il fonce vers eux, les bras écartés. Et ont manqué. Il esquive. 17 sœurs. Ah oui, 17 sœurs. Ah je oui. N'en compte que 15. Il a le papa. Ah, 15. J'ai tellement l'habitude de dire 17 que je... Il y a un truc. Il a la larme aux yeux. Vous serrez le colosse dans vos bras, vous le sentez trembler, accablé par nous sa les peine. Nous pleurerons demain. Il a toujours ses cousins, ses tantes, ses oncles. Mais mes deux Benjamins ont péri lors de l'invasion. Ah, pas de bol. Geneviana, Nevendar t'a pris beaucoup, mais tu as encore ta force. Merci d'être venu et de protéger mon fils unique. Le voile est arrivé avec des troupes aguerries. Vous étiez en infériorité numérique. Je ne sais pas si je devrais être impressionné. Ou horrifié. Bah non, mais ils étaient mauvais. Les deux. Ton discours nous a donné une raison de nous battre. C'est bien plus qu'un simple royaume de l'Empire. C'est notre patrie. Avant la guerre, tu servais l'Empereur. Fièrement. Et que fais-tu du voile? Leurs actions n'ont aucun sens. Ah bah si, c'est des connards finis, le voile. Leur fanatisme fait partie de l'Empire depuis le règne de Démosthène Ier, même si à l'époque, l'Église portait un nom différent. Quant à leurs intentions, tu les connais mieux que personne. Ce n'est pas très encourageant. Je n'en ai aucune idée. Le corps de ma mère. Orion s'est chargé de tout. Elle est chez toi. Elle t'attend. Va la voir. Oh bah... Si ça ne te dérange pas, Arietis, je pense qu'il est temps que je parte. Après cette nuit, le monde changera jamais. Assurez-vous de ne pas avoir de mission en cours. Bah si, j'en ai en cours, mais je peux pas les finir, en fait. Enfin, à moins que... attendez. Ah, et donc là, je peux pas la faire. Et ouais, non, tant pis. Celle des os, ça m'énerve parce que je sais pas où est le dernier jeu d'os. Et j'ai pas envie de regarder sur internet, donc tant pis. Je suppose que ça va être dans la petite crypte. Que j'ai totalement loupé. Mais techniquement, il y avait. Je suis déjà allé, il y avait un truc qui était. Ah! Ah! Votre ancienne maison, les champs dans lesquels vous jouez étant enfant, tout n'est plus que ruine. C'est à vie. On dirait que personne n'a vécu ici depuis au moins une ère. Je ne comprends pas. C'est ma maison. Pourquoi ma mère vivait-elle dans la misère? Peut-être la mort de père l'a-t-elle submergée? Ou peut-être était-ce mon départ? Il y a sûrement une explication. Malgré son état déplorable, la maison vous semble vous appeler. Ce qui reste de sa porte grince dans le vent. La vache, le PC est tellement petit que rien que pour me co-steam, ça a été laborieux. Ah oui, à ce point. Inspectez la maison. Vous franchissez la porte que grince pour rejoindre modeste cuisine. Orion vous suit, observant les placards sans dessous-dessous. Alors, on va regarder là. Les souvenirs ressurgissent. Bien que l'âcre soit vide et froid, vous sentez l'odeur du ragoût. Vous sentez la chaleur de votre mère fredonnant une chanson. Revenant de Nantes... De Nantes à Montaigu, la digue, la digue. De Nantes à Montaigu, la digue. Inspectez le placard. Les poteries et les verres sont brisés, sont couverts de poussière. Et là, depuis un moment. Continuez jusqu'au salon. Mais je pense qu'il y a un truc à faire parce que derrière, ça. Il y a un truc dans la. Dans l'atelier du père. Qu'est-ce que c'est que ça? Traitor in Salem, ah oui d'accord, c'est... je vois quel jeu c'est. Tu devrais me dire pourquoi j'ai ce truc là, mais non. Je comprends mieux, c'est un petit jeu que j'ai. Votre camarade et vous laissez des traces de pas dans la poussière à mesure que vous avancez en silence solennellement. Des fils apparaissent dans la lumière, dansant dans l'air, autour de vous sur le rythme d'une musique imaginaire. Sa chaise est toujours là. Mangez, omite et couvert de suie. Qu'elle rapporte, qu'il a rapporté sans cesse de la forge. Elle n'a jamais dû s'asseoir dessus après sa mort. Examinez le plancher. Vous soulevez le plancher et trouvez les petits cagibis où vous vous cachiez quand les hommes du voile venaient ici.
Vous étiez terrifiés lorsque leurs lourdes bottes cliquaient contre le plancher au-dessus de vous. Vous reteniez votre respiration pendant qu'ils fouillaient la maison. Ce que vous ne savez pas, en revanche, c'est que c'était vous qu'ils cherchaient. Vous parcourez de vieux papiers, vous trouvez les histoires qu'elle vous lisait pour vous endormir. Le colonel Magilkir et l'impossible crapaud. Le dernier hurrah de la reine Teliglash. Rien n'arrête le cœur d'une mère. Le dernier étant votre livre préféré. Il l'est toujours d'ailleurs. On va à la chambre. Alors que vous entrez dans votre ancienne chambre, elle se met à changer. Des petits jouets sculptés par Orion sont posés sur votre étagère. Hop. La lumière éclaire l'intérieur. Encore une belle et chaude journée. Votre mère vous appelle depuis la cuisine. Quelle odeur ? Des pâtisseries ? Mais pour quelle occasion ? Il répond. Vous ouvrez la bouche pour répondre, mais aucun bruit n'en sort. Vous essayez de bouger, mais vos pieds sont lourds, comme s'ils étaient pris dans des sables mouvants. Mais c'est votre anniversaire ? L'odeur des pâtisseries ? C'était votre gâteau ? Non, ça devait être votre gâteau ! Votre mère vous appelle encore. Allez désespérée, terrifiée. Votre père hurle de l'autre côté du mur. Les hommes du voile sont encore là. Cette fois, ils sont déterminés à vous trouver. Au lieu de cela, ils vont trouver la mort. Mais lui aussi. Vous franchissez la porte et murmurez un adieu. Quoique cette maison y reprend, c'était pour vous. Il y a bien longtemps. Tu vas bien, c'était il y a bien longtemps. Parle-moi. Ouh ! Ce ne sont que des souvenirs. Certains bons, d'autres non. Et la forge de mon père est juste là. Vous pourrez aller la voir de plus près. Bien entendu. Ah ah, j'ai bien fait de venir et d'essayer de ça. Alors, il faut lui parler. Vous marchez dans les ruines de la vieille forge de votre père. Vous placez vos mains sur la meule. Elle est froide et lisse. C'est étrange qu'une chose aussi magnifique puisse faire des armes aussi redoutables. Je ne voulais pas te déranger, mais... Tu reconnais ce type ? Vous vous tournez et voyez un vieil homme qui vous observe au loin. C'est impossible, petite Aviana. Je suis ravi de te rencontrer enfin, même si tu es un peu plus âgé que ta mère me l'avait dit. Dites-moi votre nom. N'aie pas peur. Je m'appelle Loyer. J'étais. Là, il le dit que dure 30 gigas. Ah oui, c'est pas beaucoup. Entendre ce nom est douloureux. Vous avez choisi de ne pas le prononcer depuis si longtemps. Mais son mari. Tu ne savais pas. Je vois. Elle a laissé quelque chose pour toi, une clé. Mais j'imagine que tu as sûrement des questions à me poser en premier. La maison est détruite. Elle a tourné la page, Aviana. Quel autre choix avait-elle ? Elle ne pouvait pas passer ses journées prisonnière. C'est un notebook quand même. Oui, bah oui, donc c'est pas tu fait pour ça. Un jour. Puis, quand les gens ont commencé à fuir vers Antor, à Téléane, la route de chair et de flammes. Elle l'a utilisé pour leur offrir un refuge. Sympa, la mère. Si longtemps. J'ai peur d'oublier à quoi elle ressemblait. Ah, techniquement, t'as vu le cadavre ? Eh bien, elle était heureuse et parlait tout le temps de toi. Elle était tellement fière de sa fille. Elle avait son caractère et n'hésitait pas à frapper quelque chose si nécessaire. En général, elle évitait de boire. Mais quand elle le faisait, elle n'y allait pas de main morte. Elle aimait chanter, danser. Et parfois, elle était si calme. Elle pouvait observer la route pendant des heures à attendre ton retour. Personne ne m'a dit qu'elle s'était remariée. C'était il y a des années. Elle t'a écrit une lettre, mais n'a jamais su où l'expédier. Elle n'avait pas entendu parler d'Ilian ? À cette époque, Aviana, il s'était écoulé tant de temps qu'elle n'était pas sûre que tu voulais avoir de ses nouvelles. Quand nos fils sont partis à la guerre, mais attends, il y a combien de temps qu'ils sont écoulés qu'ils te trouveraient avec un jour au combat, qu'ils te persuaderaient de rentrer à la maison. Mais ça ne s'est pas produit ainsi. Mon fils ? Ma mère et vous avez eu des fils ? Ça veut dire que j'ai des frères ? Techniquement, oui, mais c'est pas vraiment ta mère. Ta mère, tu c'est un ange. Des frères. Notre fils aîné est mort lors de la rébellion des plaines aux veuves. L'autre a péri au cours de la guerre contre Verantor. Un frisson glacé vous parcourt. Et si vous les aviez affrontés par hasard ? Et si vous leur aviez ôté la vie ? La main du destin ne peut pas être si cruelle. Je ne savais pas qu'elle avait rencontré quelqu'un. Je suis partie à la mort de mon père. Mon père humain, je veux dire. Quand il est mort, elle a ouvert une échoppe d'apothicaire. Elle a soigné les blessures qu'on m'avait infligées lors d'un combat contre les elfes à Athéléane. Honnêtement, elle n'était pas très douée avec les patients,
Mais heureusement pour nous, la main du destin nous a gardés ensemble. A-t-elle dit à quoi sert cette clé ? Seulement qu'elle ouvre la porte du sous-sol située sous la vieille forge de ton père. Et quant à ce... Ok, il vous tend la clé, vous le remerciez, mais les mots ne sortent pas. Il hoche la tête, compréhensif. Mais bon, bah, du coup, la porte, elle est là. Hein. Vous essayez l'énorme clé rouillée que l'œillet vous a donnée. Elle tourne à peine. Orion place sa main sur la vôtre et ensemble, vous ouvrez le verrou. Je vais trouver un loot de taré! Ou pas. Ouh. C'est beau, ça. Il y a quelque chose de l'autre côté de son pont. Oui, mais d'un autre côté, t'avais pas besoin de m'encourager à essayer de traverser. J'y serais allé quand même. Ah, c'est encore une statue de maman. En ouvrant la clé, vous sentez le parfum subtil des fleurs, du miel. C'est elle, Célia, votre mère. Vous retournez pour la voir, vos yeux scrutent les ténèbres, mais il n'y a rien. Le coffre était fermé depuis si longtemps. L'air qu'il contenait était resté là, comme un fantôme. Vous prenez une profonde inspiration et le sentez, et la sentez près de vous. Mais ça ne dure pas. Ah ouais, d'un autre côté, t'as pris qu'une respiration, je prends en deux. Si elle était là, ne serait-ce qu'un bref instant. Vous vous regardez dans les yeux, ils trahissent sa douleur et vos yeux la vôtre. Vous secouez la tête comme pour chasser la tristesse. Et regardez dans le coffre. Et là, il y a la collection de jouets pour adultes de sa maman. Je vais rester ici un petit moment. Et si on faisait ça ensemble? Votre camarade sourit comme pour montrer qu'une éternité passée en votre présence ne serait pas désagréable. Vous prenez le message à votre attention comme les autres messages à l'intérieur du coffre n'a jamais été expédié. Petite Aviana. Si tu lis ceci, alors tu sais déjà tout. Ne doute jamais de l'amour que ton père et moi avions pour toi. Oui, tu nous as été confié. Oui, nous avons essayé de te tenir hors de portée du voile. Mais tout ceci avait bien moins d'importance que notre amour pour toi. C'était un amour que ta vraie mère, Inoël, avait prédit. Tu dois savoir qu'elle t'aime aussi. Elle est souvent venue te voir quand tu étais enfant. Elle s'asseyait près de ton lit la nuit. Elle te regardait dormir. Ah, donc ils étaient au courant pour la mère, mais quand c'est même. C'est devenu trop dangereux pour elle. Et j'imagine que ça a fini par devenir dangereux pour nous tous. Je t'en prie, rentre à la maison. J'ai encore tant de choses à te dire. Je t'aime fort. Ok. Vous récupérez un message rédigé par votre mère. Petite Aviana, un jour je t'expliquerai tout. Pour le moment, sache que le destin de ton père et de ta mère... était d'être réunis. L'essence de son amour est enfermée dans une lame. Elle te demande, quand tu seras prête, de retrouver cette lame et de toujours la garder avec toi. Ainsi, Inoël sera toujours proche de toi. Beaucoup le jugement et Lost Judgment sont des Yakuza-like qui viennent de sortir sur PC. J'ai jamais testé les Yakuza-like. Je t'en prie, rentre à la maison. Bon, j'ai encore tant de choses à te dire. Vous soufflez sur la poussière et découvrez un message rédigé par votre mère. Petite Aviana, le sceau que tu portes s'appelle le sceau des anges. C'est ta mère qui me l'a donné. Alors je te le transmets. Garde-le près de ton cœur. C'est sa place. Je t'en prie, rentre à la maison. Vous trouvez l'écharpe bleu clair que votre mère portait tout le temps. Elle n'est plus usée que dans vos souvenirs. Mais elle n'en est pas moins magnifique. Prendre l'écharpe. Vous prenez l'écharpe de votre mère et la pliez soigneusement avant de la ranger dans votre sac. Une partie d'elle sera toujours à vos côtés. Vous sortez une arme étrange du coffre, fabriquée dans le fer de la Légion Impie, mais forgée par un mortel. Elle a été créée par votre père. C'est magnifique. Vous prenez le gage, puis fermez le coffre. Son loquet se verrouille. Bien que ce soit impossible, son esprit semble toujours occuper la pièce. Vous emplir et vous pousser à avancer. Alors... Vous venez d'apprendre votre première aptitude ultime. Les aptitudes ultimes sont propres à Aviana et ses compagnons. Lorsqu'un membre de votre groupe apprend son aptitude ultime, elle est automatiquement affectée en tant que troisième aptitude au combat. Les aptitudes ultimes sont extrêmement puissantes et peuvent considérablement affecter le cours de la bataille. Toutefois, elles fonctionnent un peu différemment des aptitudes normales. Chacune commence avec un temps de rechargement pendant le combat avant de pouvoir être utilisée. Ouais, c'est le truc que tu utilises quand le combat, ça fait un moment qu'il est là, quoi. Ouhou !
J'ai un nouveau bâton. Ah, attends, c'est quoi son aptitude ultime, du coup? Explosion cosmique! Ouvre une faille dans l'espace-temps, infligeant des dégâts divins et impies, infligeant confusion et silence aux cibles! Sur 6 zones! Je me mets au centre de la map, j'atomise tout le monde! Désolé, je me suis un peu emporté. Mais c'est marrant. Bateau de Varantor. Donc là, c'est Vanilla Baguette des Anges. Alors, je voudrais comparer, parce qu'elle est niveau 1. Elle a déjà plus d'intelligence, plus de puissance. Bon, j'ai pas de dextérité. C'est pas bien grave. Et j'ai des choses en moins. C'est pas marqué que seul moi peut l'utiliser. Les sorts qui infligent des dégâts divins infligent 20% de dégâts supplémentaires. Alors, juste pour l'intelligence et la puissance, j'ai envie de dire, je prends. Ah, parce que la puissance, c'est... Et détermine les dégâts que je peux infliger, donc plus j'ai de puissance, mieux c'est, quoi. Faudrait que j'aille la faire level up en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde se trouve voir. On a pas l'air viril, mais on fait peur à voir. Faut que j'arrête avec cette chanson. Faut que j'arrête. Du coup, ouais, c'est-à-dire qu'après je lance la prochaine partie du jeu. Donc il vaut mieux que je... Ah mais putain, j'ai même pas évolué le cœur au maximum, je suis trop... Un bolos! Je suis un bolos! J'ai pas eu d'arme spéciale pour la reine elfe, je suis en train de me dire. Bon, bah on lance la suite. Chapitre suivant. On sauvegarde juste avant. Là, dans le calme de votre maison d'enfance, vous la voyez, elle pourrait presque être en train de rêver sereinement. D'une certaine manière, c'est peut-être ce que sont les quatre paradis. Des endroits où les âmes vont rêver. Comme dans mes souvenirs. Poignardé à mort? Vous hésitez, ça fait si longtemps que vous n'avez pas vu son visage. On dirait qu'elle est figée dans le temps. Elle est vraiment magnifique. Tout le monde a prévu une fête, mais nous devons préparer un hommage funèbre. Que veux-tu faire? Pour ta mère, je veux dire. C'est vrai. Je n'y avais pas songé. Ah si, techniquement, tu songes vite fait. Elle mérite d'être dans une tombe, même si l'inquisiteur l'a profanée. Tu veux bien m'aider? Ensemble, vous la préparez pour le grand départ vers les quatre paradis. Puis, une fois prête, vous faites vos adieux. Les gens des bas-fonds mettent leur deuil de côté lorsque les lunes jumelles s'élèvent dans le ciel. C'est pour eux l'occasion de célébrer la vie de leurs défunts, de célébrer votre retour et votre victoire. Pourtant, vous restez à l'écart. Vous avez eu beau changer le monde, la cruauté de ce dernier vous a également changé. Les funérailles se passent sans surprise, et la peine fait place aux festivités. Vous observez la maison de votre enfance, puis les fêtards, perdus entre leur peine et leur éclat de rire. Oui, ça va? Je sais que ce n'est pas vraiment ce qu'on espérait en rentrant chez nous. Vous esquissez un sourire, même si ça vous fait du mal de le reconnaître. J'aime tous ces gens, et je suis ravie d'être chez moi, mais... J'aurais préféré que ma maman soit là. Tu n'es pas d'humeur pour des funérailles traditionnelles? C'est vrai que c'est un peu... bruyant, mais c'est peut-être justement ce qu'il nous faut. Vous les sentez, ils ne font pas que vous regarder, ils vous voient. Le pire, c'est que vous savez qu'ils ont raison.
C'est exact. Je ne suis pas trop d'humeur ce soir. Et si on passait du temps ensemble? Du moins, jusqu'à ce que j'aie assez bu pour ne plus en avoir rien à faire. Vous tenez par le bras et vous rejoignez les festivités, accueillies par un tonnerre d'applaudissements. Vous dansez, buvez, et vous balancez au son des talons sur le plancher. Allez, au secours. Mes tantes refusent que j'arrête de danser, et mes ampoules commencent à avoir des ampoules. Sors-moi de là. Vos regards se croisent, vous comprenez sans mal le sens caché de la question. Je me disais la même chose. Je connais un endroit ça où fait un moment. Souvent quand j'étais plus jeune. Attendez, du coup... Non, c'était pas T que je voulais faire, je suis con. Enfin, quoi que si, ça peut marcher. C'est plus J que je voulais faire. Ouais, donc c'est pas encore le cas. Là, dans les ombres hantées de votre ancienne vie, vous la retrouvez, la cabane dans laquelle vous vous êtes caché il y a tant d'années. Les quatre paradis. J'avais complètement oublié cet endroit. De quoi tu te souviens? Ouh, de ta première fois, mon petit Ori. C'était loin de chez moi. Est-ce qu'on en a déjà parlé? De ce qui s'est passé pendant mon enfance? Le silence subtil et la prise légère sous votre main semblent dire « Je veux tout savoir ». Avant tout ça, avant de savoir que j'étais une Néphilim, je n'étais qu'une fille comme les autres. Mon père était forgeron, ma mère marchande. Les seules fois où j'ai eu des ennuis, c'est quand on était ensemble. Heureusement pour moi, j'ai fini par aimer ça, moi aussi. Puis un jour, un cheval s'est mis à ruer au marché. J'ai été surprise, puis ce pouvoir s'est libéré en moi. La prêtresse locale a parlé de pouvoir du crépuscule. Quand j'ai perdu mon père, je savais que personne ne serait en sécurité. Nous avons fui, acceptant de petits contrats ici et là pour nous acheter de quoi. Nous avons gagné le titre de jumeaux du crépuscule. Ce n'était pas mon idée, mais ce nom nous a apporté la gloire. Et les emmerdes ? À l'époque, les membres du voile n'étaient que des soldats de l'église du Très-Haut. Ils ont envoyé la massacrer pour comprendre ce qui s'était passé. Un homme nommé William le Sinistre m'a tout raconté. Mon père m'a défendu, et dans le combat qui a suivi, il a perdu la vie. Tout ce que je sais vient des histoires qu'on m'a racontées. Que le pouvoir est à nouveau sorti de mes mains. Que j'ai tué les membres de la massacrée. Classique. Même si nous avons dû partir, j'ai toujours voulu revenir ici. Toujours. Mais cela aurait mis ma mère en danger. Si j'avais su comment tout allait finir. Vous essuyez une larme sur votre joue. Vous espérez que ce sera la dernière. Mais ça ne sera pas le cas. Ah, enfin, assez parlé du passé. Parlons plutôt de nous. Vous parlez donc de votre amour partagé pour le combat et la musique, de votre temps passé ensemble, de 20 heures à ici et maintenant. Rapidement, la conversation devient plus personnelle. J'y pense souvent. Pas toi? Au fait d'être parent. Imagine des petites Aviana en train de courir et d'envoyer des rayons de magie violette. Tu voudrais des enfants, toi? Ça serait la merde. Ça serait la merde. Imagine que on fasse comme ton père. 15 gamines qui peuvent envoyer des rayons laser partout. Ça serait la merde! Mais très drôle. La conversation est, à vrai dire, très personnelle. Bien sûr, allez, on va jouer comme ça. Une fois prête. Cependant, je ne crois pas que quiconque soit réellement prêt un jour. Vous buvez une bonne rasade de vin et faites passer la bouteille. Vous vous dévorez de yeux. La tension est palpable et elle s'intensifie. Bande de petits coquins. Je vais vomir car j'ai trop bu de vin. Allez, on essaye! Oulala, comme succès. J'ai vraiment eu le succès qui s'appelle Oulala. Vos lèvres se touchent, des mains enserrent le bas de votre visage. Elles sont étonnamment douces. À travers leur peau, vous sentez les tremblements et leur nervosité. Vous retrouvez bientôt sans armure et en dans l'appareil. Vos bustes dénudés brillent dans l'éclat des lunes. Vous ne savez pas ce qu'il se passe quelques heures ou des vies entières. Alors, vous ne savez pas s'il se passe quelques heures ou des vies entières. Au soleil, le vin orne vos peaux d'un halo rosé. Une bouteille de vin vide depuis un moment. Gît à terre près de vous. Bonjour. Très bien. C'était incroyable. Je suis sincère. Je n'ai jamais ressenti ça. Ouais, je sais. Avis est doué. En vous habillant, vous réfléchissez à ce que vous allez dire. Je me sens comme avant. Je ressens davantage même.
Quelque chose dont je ne soupçonnais pas l'existence s'est éveillé en moi. Vous étreignez, cette nuit était clairement une expérience qu'on ne vit qu'une seule fois. Une expérience adoucie par votre présence. Ah, un nouveau succès, parce que je viens de finir le chapitre. Vous éloignez du site de votre nuit d'ébriété, le sourire aux lèvres, vous tenant la main, mordant la vie à pleines dents. Hop là là! Hop là là! Très précis hein, ce que je vous dis. Pas incroyable, je suis, mais une précision légendaire. C'est Goldé! C'est Goldé! Attends, et du coup, les mercenaires, je peux en avoir plus ou non? D'accord. Enfin, je les aurai d'ici qu'on parte parce que de toute façon, c'est d'ici peu. Fusionner des... Ah oui, ça fait un moment que j'ai pas fait ça. Ouf, pas mal. Ah ouais, là j'en ai quand même quelques-uns à fusionner. Ah, j'en fais du succès là. Ah, j'ai pas ce qu'il faut. Ah, mais c'est lequel que je vais équiper? Parce qu'il faut. Bon, on a pu améliorer les choses. Alors, regardons l'équipement. Ouais, donc il y a quand même vachement plus de trucs qui sont proposés. Les mercenaires. J'en ai un. Désolé, c'était sans négociation possible de votre part. Il y avait un dragon. Je prends les dragons, non. Je sais tes matchs, je dragonne et vous perdez. J'ai un fucking dragon, un fucking dragon. Le premier. Ah oui, ils veulent tous me causer. J'ai subi une perte dans les bas-fonds. Elle n'était pas méritée. Depuis, j'ai eu le temps de comprendre que la main du destin m'en envoie mort qu'à ceux qui la méritent le moins, dont ma mère. La main du destin ne l'a pas honorée. Mais elle s'est elle-même honorée en t'élevant. Elle a honoré les cieux. Gaffe à pas prendre une femelle dragon si tu veux faire peur. Déconne pas, mais la femelle dragon a le sort mort de masse. Par contre, la femelle dragon a un point faible. Les ânes. Ouais. Un jour, je réussirai à t'intéresser à autre chose que l'honneur. Un jour, mais d'abord, il est temps de gagner du sang. Ah, la liste des démons qui t'ont fait du tort, je suis partante. Si tu les as trouvés, les dieux savent à quel point j'ai besoin de me défouler. Ouais, mais non, parce que Sébastien, j'ai la quête, elle est passée. Une dragonne, on s'y attache, en effet. Au pied des selles, Corbron a pris, Arose a battu, Baliaga est secoué. Timmy doit brûler. Gagner dans Baraknor. Tu dois transformer ta liste de cibles en une espèce de comptine et vente. Évidemment. Si nous allons à Baraknor, nous trouverons les démons qui t'ont fait du tort. Mais allez. Oh putain, mais la liste de trucs. Je viens des plaines aux veuves et les gens des bas-fonds me sont chers. J'ai perdu beaucoup d'amis dans la bataille de votre pays. Chaque vie perdue recevra un enterrement et nous les pleurerons tous. Pas à la façon du voile, selon les anciennes coutumes. L'attitude de Sébastien le fait visiblement souffrir. Quelque chose vous préoccupe? Wilhelm et les autres ont envoyé des nouvelles.
Un voyage d'Alan à elle a été couronné de succès, mais ils ont débarqué en plein chaos. Il a lancé l'appel à l'aide, mais il y a du sang sur le mur, si c'était le sien. Donc l'anneau que vous lui avez donné a fonctionné. Il peut entrer et les murailles du château doivent le protéger. Si Welkanim est vivant, nous le retrouverons. À la prochaine, Sébastien. Allez, une nouvelle quête. Chaque personne va me proposer une quête, mais il y a des mecs, j'ai même pas eu leur quête de base, quoi. Genre, elle et elle. Lui, je l'ai trouvé par hasard, sa quête. Elle aussi, ces deux-là aussi. Une question pour moi aujourd'hui, l'Irène, après avoir vu ma mère, eh bien, je ne dirais pas non à une petite distraction. Mais un ancien duc a été envoyé dans le nid de la reine. Partout où il a marché, la gloire le suit. Tu voudrais bien aller le chercher, cette vieille brute me manque. Je vais y réfléchir, il nous faut des nouveaux visages amicaux dans le nid. Une réponse honnête comme toujours, tu ne cesseras jamais de m'emprisonner, Avina. Voilà, une nouvelle quête. Je prends toutes les quêtes. Nous, les druides, pensons que lorsqu'on sème une graine, l'âme de nos semblables possédera et continuera de vivre dans la future plante. Je me demande comment tu souhaites te souvenir de ta mère. N'ai jamais rencontré une personne aussi patiente et aussi attentionnée. Les branches sont couvertes de mousse, de saule, de gondolin forment une couverture chaude quand elles sont fleuries. Ça pourrait retenir l'esprit de ta mère. On dirait que tu as autre chose en tête. J'ai entendu dire que les enfants de la roseraie forestière étaient perdus à Baraknor. Ah, il y a deux quêtes à Baraknor, les enfants. Enfants, mes petits, devrais-je dire. Mes panthères-garous. S'ils se trouvent à Baraknor, c'est que quelque chose ne tourne pas rond. Si nous arrivons à Baraknor, nous tâcherons de trouver ces petits, je te le promets. Allez. Connaissez-vous le rituel de l'arbre de sang? Ce sont des arbres possédés par vos ancêtres. Pas seulement possédés, ce sont nos ancêtres. Nous leur offrons des sacrifices de chair. Les arbres de sang consomment la chair de nos ennemis et en retour, ils nous bénissent en nous donnant leur sagesse. Tous les elfes vouent un culte aux arbres de sang d'Athélan. Celui qui obtient la bénédiction des arbres obtient de ce fait le droit d'unir son peuple. C'est noté. Je n'ai pas l'intention de faire du tourisme à Athélan, mais pour vous, je serai prête à une faire une obsession. Ok, donc j'ai sa quête à elle. Attends, il m'a pas proposé de quête là. Il m'a pas proposé de quête, hein, l'enfoiré. Bon. Je te présente mes condoléances éternelles pour la perte de ta mère, jeune démon. Je te suis reconnaissant. En un instant, je suis surprise que tu te sentes concerné. Bien sûr que je me sens concerné. Bien qu'après avoir vu la relation qu'entretient un nécromancien avec sa famille, j'imagine que je te dégoûte. Ça avait plus l'air d'une émeute que d'une réunion de famille normale. Normal est un vilain petit mot, non? Il y a quelque chose que tu devrais savoir. Dans le nid de la reine, il y a un dernier corbeau dont ma faux a soif. Un autre de tes enfants? Oh, quelqu'un de beaucoup plus grand. Et je me suis demandé pourquoi arrêter la folie meurtrière maintenant. La chanson est presque terminée. J'adore ce mec. À propos de votre sœur, j'attendais cet instant depuis longtemps. Je voulais regarder Birkana droit dans les yeux et voir sa douleur. Ça aurait-il pu m'apaiser? Mais ce n'est pas le cas. Je ne ressens rien. Pas même de la tristesse. Je ne ressens rien. J'ai donné ma vie pour les elfes. Mon éveil amortisse. Pourquoi juste? Pour ceci, votre libération, à vous de choisir ce qui se passe ensuite. Et quel que soit votre choix, je serai là pour vous. Ça a réfléchi à ce que vous venez de dire. L'ancienne vice-reine du Conseil des Six n'est pas habituée à tant de gentillesse. Bien, ma prochaine étape ne sera pas facile, mais elle est nécessaire. Ok, à bientôt. Elle m'a rien dit. Dans la chapelle de Coryssandre, vous trouvez la grande prêtresse. Astiquer avec acharnement les diverses icônes de nombreux cultes de Neventa. Vous semblez contrarié. Silmeren, un démon de sa statue ici à Eliane, les prierait avec tous d'un chevalier de la mort à un assassin des ténèbres. Mais ça, je ne peux même pas entrer dans le temple sans que la pierre bénite ne lui brûle les pieds. Si elle s'est brûlée, ça signifie qu'elle a essayé. Bien plus que la plupart des démons feraient. Se trouver là dans sa tombe et prier là-bas avec elle. Et si elle me mange vivante? Ensuite, votre peau bénie la brûle de l'intérieur et vous mourrez tous les deux en faisant ce que vous aimez. C'est rassurant. Ok, donc eux, ils n'ont pas de quête. J'ai passé du temps avec ma hache. Les druides ont beau être des elfes, ils sont étranges. Redites-le. Les druides ont beau être des elfes, ils sont étranges. C'est une expression. Mon peuple a pour coutume d'offrir à Galdien à ses amis. Mais est-ce qu'un druide apprécierait cette pratique? Donnez-lui. Je suis sûr qu'il apprécierait. Moi aussi, je me demande quel secret de Galen Galdien lui murmurerait. Joyeux, ok, donc plus de quête. Ori,
Plusieurs mois se sont écoulés depuis l'invasion des Bas-Fonds. La guerre a continué de faire rage. Le paysage politique de Neventar est presque méconnaissable. Vous êtes grandement responsable. Sans déconner. Hé, hey, comment ça va? Au choix de nom, Spellcaster University, je connais. Coromon, je connais pas. Growing, un narratif peace, seul sur l'éducation d'enfants. Alors le seul que je connais, dont je peux te parler, c'est Spellcaster University, donc j'ai envie de dire, ça peut être sympa. Après Spellcaster, il faut le jouer en, enfin c'est lent et très rapide à la fois, ça dépend si tu le joues en accéléré ou pas. Elle me manque, une partie de moi aurait voulu être là. J'imagine tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de mettre fin à la guerre, à cette guerre. Ça tombe bien, nos éclaireurs viennent de me faire leur rapport, c'est préoccupant. La Légion des damnés est plutôt calme. A-t-on pu prouver la véracité des rapports qui indiquaient qu'ils construisaient une forge? C'est encore plus compliqué que ça. Les elfes restants ont attaqué Baraknor, où la Légion a envoyé ses disciples construire la forge. Personne ne sait pourquoi, mais mes éclaireurs n'ont pas donné signe de vie depuis des semaines. Je suis inquiet à vie. C'est pas bon du tout. J'ai entendu dire que l'Empire n'existait plus officiellement. Il ne reste que le voile. Et sans que Sister en chef, ils perdent la guerre. Katharina a disparu et des éclaireurs affirment que des hordes ont envahi le château de Yal. Pas une seule atrocité potentielle, mais deux. Très bien. C'est de la découverte, pas du let's play. Ouais, mais même en découverte, c'est très lent et rapide à la fois, hein, Spellcaster. Nous devons trouver un moyen de raisonner les elfes, mais je ne sais pas où sont leurs sages. La majorité des dynasties nobles ont disparu en cherchant le Nexus, la source de tous les flux de mana. Mais pourquoi? Si tu as de bonnes nouvelles, c'est le moment idéal. Que peux-tu me dire sur les éveillés? Les démons ont trouvé l'antre du Conseil des Six, le nid de la reine. Ils l'assiègent en ce moment même. Neventar continue à sombrer dans l'anarchie et nous sommes là à attendre. Il faut que ça change. Réunis les troupes, aujourd'hui nous allons libérer tout le monde. En route pour l'aventure! Là j'ai la quête de l'elfe et du l'autre. Là j'ai la quête de la démon et du mort-vivant. Et là j'ai la quête de Sébastien. On va commencer par la quête de Sébastien. On va péter la gueule alors. Les champs se consomment, les fermiers se rassemblent sur les ruines de leur terre, attendant que la mort vienne les saisir. Les os craquent délicatement sur le boîte. Les éveillés sont arrivés dans les plaines. Qu'est-ce que les morts vivants ont fait à cet endroit? Quand tu prends les Pokémon Game Boy, y ajoute de la gestion de stats, de quêtes secondaires. Ah, d'accord. Le Très-Haut nous garde. Pour c'est que les nouvelles forêts puissent pousser, il faut que les vieux arbres malades brûlent. Mortis fait pousser un nouveau monde ici. Tout le monde sait quoi faire. Alors attendez. Si je reparle, oui. C'est comme ça que je faisais pour aller sur d'autres trucs de quête. Donc pour la meuf des elfes, il faudrait que j'aille là-haut à l'arbre de sang. Heureusement que je sais où est l'arbre de sang. Hein. À vous, faut bien l'entrée se profile devant vous. Cette grotte est sous les arbres, c'est l'endroit dont nous avons discuté à Ilian. Les elfes qui cherchent le pouvoir sont attirés ici. Vous pensez que la Ariel pourrait... Ce serait sage de se préparer pour une embuscade. Bien noté. Allez, on est parti, on va faire l'unification des elfes. En cherchant la grotte, vous tombez sur un groupe d'elfes. Elles semblent remarquer votre présence au même moment. Prendre des elfes au dépourvu est un événement rare, alors que vous faites repérer un chrysélève dans les airs, retentissant fort dans la grotte. Nous n'avons pas à les affronter. Vous baissez vos armes et regardez le groupe assemblé. Traversant la ligne, un autre elfe marche à grande enjambée vers vous. Une aura de commandement rayonne d'elle.
La sage elfe sauvage s'arrête à quelques pas de votre groupe. Là, Ariel. Vous nous chassez, je vois. Non, nous sommes ici pour parler, et rien plus. Le regard de dégoût de la sage elfe vis-à-vis de votre comparse saute aux yeux. Écoutez-la, nous ne voulons pas nous battre. Je ne pense pas que cet elfe est capable de tenir parole. Je t'emmerde. Ariel pose sa main fermement sur votre épaule. Le sang ne sera versé ici. Si vous tenez à la vie, ce serait une sage décision. Eh, je pense que t'es trop faible pour moi. Nous en avons fini ici ? Non, là, Ariel. Nous en avons fini avec la guerre, mais pas avec les mots. Je cherche la paix, pas seulement entre vous et moi, mais avec les elfes nobles également. Ici, sous les arbres de sang, nous trouverions un terrain d'entente. Imbécile. Vous n'êtes ni sauvage ni noble, et pourtant vous parlez comme si vous étiez les deux. Je suis les deux, là, Ariel. Et c'est une bonne chose. Être des elfes est ce qui nous définit. Nous sommes tous membres de la même espèce. Eh mais il y a eu le schisme. C'est comme les pommes douces rosées et roche-tête. Elles ont une texture et un goût différents, mais le même cœur. Un silence tendu envahit la pierre. Vous avez de la chance que les arbres de sang soient au-dessus de nous, Néphilim. Ainsi, vos paroles portent uniquement le poids de votre bêtise. Quant à vous, Ormeriel, écoutez-moi bien. Vous ne ferez jamais partie des nôtres. Cependant, il est vrai que nous n'avons pas besoin de nous affronter. Nous sommes de la même espèce. Si vous ameniez Monwean ici sans attirer l'attention du voile, alors nous pourrions peut-être envisager un avenir. Emmael réfléchit en silence et incline doucement la tête. J'accomplirai cette tâche pour que les elfes se réconcilient. Dépêchez-vous, tête dure d'Iliane, j'attendrai. On aurait presque dit qu'elle était contente à la fin. Voilà. Monwean et son clan sont quelque part. Nous devons les trouver le plus vite possible. Il y a d'autres plantations d'arbres de sang sur ces terres. Alors en avant. Non mais je sais déjà où ils sont. Hein. C'est où je voulais aller avant de voir le truc. Alors que vous approchez des arbres de sang, des ombres graciles apparaissent devant les arbres et parmi les feuilles rouges. Elfes, faites preuve de prudence. Vous vous rapprochez du groupe qui compte de plus en plus de membres à chaque pas que vous faites. Avant que vous ne repreniez votre souffle, une silhouette se tient devant vous, arrivée par les airs à une vitesse avec une grâce surnaturelle. Elle est grande. Et bien que ses vêtements soient raffinés, ils sont clairement conçus pour le Bienvenue, combat. Bienvenue, Néphilim. Marfala ? Une vieille amie ? Nous étions des sœurs danseuses du soleil à vie. Nous avons combattu ensemble il y a de nombreuses années. C'était une autre époque, Ormeriel. Elle se retourne et vous fixe directement, vous accablant par un seul regard. Nous a quittés. Je suis Marfala, de la dynastie Mar, et je revendique le titre de sage. Comment ça, il nous a quittés ? Monwean est mort ? Il s'est engagé sur une voie différente. Il arpente les veines de Mana, maintenant. J'apporte d'importantes nouvelles, Marfala. La Ariel souhaite échanger quelques mots pour améliorer la situation de tous les elfes. Et pourquoi devrais-je parler à la sage des elfes sauvages ? Oh mais putain, mais quelle conne ! Quelle que soit la confiance que vous avez acquise auprès de Monwean, vous devez la regagner auprès de moi. Mais soyez brève et parlez franchement, car je n'accepterai pas que vous restiez longtemps parmi ces arbres. J'ai été des deux côtés de notre peuple, et je vois comment nous pouvons être réunis. Nous devons nous allier. Et maintenant, vous vous ralliez aux Néphilim. Vous êtes sûr de ne toujours faire qu'une avec ce peuple dont vous parlez ? Je suis et serai toujours une elfe. Mes expériences n'altèrent pas mon héritage. Non. Elles me permettent plutôt de grandir. Le visage de la sage reste inexpressif. Elle se tourne vers vous. Néphilim, j'aimerais entendre vos raisons pour cette entrevue. Nous cherchons une vraie paix durable entre tous les elfes, aussi bien sauvages que nobles. J'ai vu comment vous avez jugé Monwean et la Ariel avec l'empereur Démosthène. Il est rare que d'autres se rappellent. Ah bah moi j'ai fait du neutre, hein. Vous parlez seulement d'elfes. J'aimerais entendre vos raisons pour aider mon peuple. Ce n'est plus la peine d'avoir recours à la violence. Je cherche à y mettre un terme. Y mettre fin ? Vos nombreuses agressions sont bienvenues vers ces terres. Ouais, détail. La violence fait partie de la vie. Et votre assistance contre Démosthène était inattendue. J'accepte de rencontrer la sage, la Ariel. Merci, Marfa.
sage, Marfala. Excellent. Laissez-moi vous donner l'idée. Ce n'est pas nécessaire, Néphilim. Mes éclaireurs sont plus que compétents. Nous vous verrons là-bas. Ah, s'il faut péter la gueule à l'Empire, hein, je m'en fous. Hein. L'Empire n'existe plus techniquement comme faction. Tiens, d'ailleurs, est-ce que... Si, bah si, ils existent encore là, sur l'Empire. Ah putain, le nombre de quêtes que j'ai. Bon, ils se sont entretués ou ça se passe comment? L'Ariel et ses elfes vous attendent. Marfala se trouve avec eux et ses elfes nobles sont tous prêts à passer à l'action. Vous voilà enfin. Ils ont décidé de s'allier pour me tuer? Néphilim. Non, décidons, je n'ai plan. Nous sommes ici pour parler, n'est-ce pas? Alors, je vous écoute. Sage l'Ariel. Sage Marfala. Je vous ai convié en ce lieu sacré pour que nous puissions discuter de l'avenir de notre peuple. C'est vrai que c'est la diplomate d'Iliane. Je propose d'abord une paix formelle entre... Non. Sage, faites preuve d'un peu de raison. Malgré votre réputation, nous n'avons pas croisé le fer, Aviana Dillian. Alors je veux bien vous écouter. Nous devons nous élever au-dessus de la violence et de la méfiance du passé. Regardons vers l'avenir. Et cet avenir se fera sans les elfes, qu'ils soient sauvages ou nobles, si nous ne nous unissons pas. Le voile cherche à nous détruire tous. Et pourtant, nous sommes encore là. Mais pour combien de temps encore? Nos rangs s'éclaircissent. Nos terres se réduisent. Elfes, rassemblez-vous. Soyez unis. Ensemble, votre peuple prospérerait. Voilà trop longtemps que nous sommes brimés, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il m'a envoyé? Ah, c'est un pote qui m'a envoyé encore une connerie. Je regarderai ça plus tard, parce que connaissant ces conneries qu'il est capable de m'envoyer, au mieux que je me méfie un peu. Reprendre les anciennes terres elfiques de Nevendar est un noble objectif. Alors, qu'en dites-vous? Notre peuple s'unira-t-il? Elle regarde de sa lueur d'espoir scintillant dans les yeux de la danseuse. Derrière cela, Marfala incline la tête. Je m'exprime au nom de tous les elfes nobles et je déclare que j'accepterai une paix sincère. Tout le regard se tourne vers l'Ariel, dernière. Derrière le sage, le clan retient son souffle. Je m'exprime au nom de tous les elfes sauvages et je déclare également que j'accepterai une paix sincère. À une condition. Parlez là, Ariel. Le sourire narquois de la sage se fait plus large. Une paix non signée dans le sang n'est pas une paix véritable. Sans un mot, Narfala estire une dague. Non, Marfala, pas nous. Orméryel affirme être sauvage et noble à la fois. Alors le pacte de sang vous liera, vous. Le pacte, la paix, sera liée à Orméryel. Toute rupture entraînera également sa chute. Dans ce moment de tension, vous retenez de parler. Voici mes conditions. Alors, vous prend à part. Avis. Je savais qu'il y aurait un prix. La haine que la Ariel me voue est trop forte pour rater une si belle occasion. Si c'est le prix à payer, alors il peut en valoir la peine, Orméryel. Oui. Il n'y aura pas d'autre choix. Je me résigne à mon destin. Vous retournez tous les deux voir les sages qui attendent, l'un impavide et l'autre souriant avec dédain. Omriel se dresse fièrement. Très bien. J'accepte d'être lié à la paix entre tous les elfes. S'il meurt, je mourrai avec lui. Sage décision, Orméryel, porteuse de paix. Orméryel, la pacificatrice. Joli titre. Et si vous touchez à Orméryel, je vous pourris! La cérémonie commence sous les arbres de sang, des mots sont tracés dans l'air prenant vie sous une forme de vive bouffée violette. Tandis que le sorcier recule, sa tâche terminée, Orméryel prend place. Elle extirpe une dague. Les mots au-dessus se répercutent d'un millier de fois à la surface de l'acier froid. D'un geste vif, elle fait courir la lame le long de sa paume. Elle ne scie pas. Le sang s'unit aux mots, dansant dans les airs et les combinant pour colorier le violet en rouge foncé jusqu'à ce que finalement les mots s'évanouissent. C'est fait.
Et je me fais un petit level comme ça, c'est cadeau. J'adore. Le petit level cadeau, j'adore. Du coup, bah, j'ai plus rien à faire là. Puisque du coup, j'ai fini la quête ici. Mais non, mes souvenirs, il me restait des choses à améliorer. Jambière de maille. Ah! Il manque un truc que je peux pas améliorer. Faut que je retourne voir la forgeuse de... d'armes. Quoi, ne représentez pas les elfes, pas plus que Katrina ne représente l'Empire. Je suis soulagé de vous entendre dire, les sages... Un baraque nord, d'accord. Ça fait trois quêtes à baraque nord, mais elle, elle a vraiment... Elle a vraiment rien, en fait. Merde. Merde, mais elle est nulle, en fait. Regardons la map. Du coup... Faut que je retourne à Euric. Parce que j'ai la quête pour la lame. Je crois que c'est pas là. Voilà. Je crois que je prends pas du tout le bon chemin. C'est pas grave. Et du coup, avec les elfes, j'en suis où? Ah putain, je vais devoir choisir entre les elfes et la Légion des damnés. Dame. Les morts-vivants, je suis amical. Et si je dois choisir entre morts-vivants ou empire... À part pour la quête de Sébastien, je pense que je choisirais mort-vivant. Je m'entends mieux avec les morts-vivants. Je pense que je peux au moins aller jusqu'au niveau 80, puisqu'il y a des ennemis niveau 80, je suis en train de me dire. Alors, qu'est-ce qu'elle va me proposer de me ramener ce coup-ci? Cette lame est comme toi, ambitieuse. Sa soif est loin d'être assouvie. Es-tu prête à satisfaire ses désirs? Pour nous ensemble, allons jusqu'au bout. Jusque-là, t'es jamais assez loin. Vos guerriers ne feront pas l'affaire. La lame requiert quelqu'un de plus cher, un compagnon. Hors de question, hein, oui. Attends. Non, c'est mort. Alors, pour utiliser une lame que je peux pas utiliser, je dois tuer un de mes compagnons. Mais c'est nul. C'est nul et j'ai pas envie de faire ça, quoi. C'est... Niette. En plus, la lame, elle est pas si ouf que... Enfin, elle est peut-être ouf pour des classes un peu roublardes assassins. Mais c'est pas le cas de mes classes. Enfin, de ma classe principale, donc je m'en fous. C'est nul à chier, quoi. En route pour... Bah, il me reste plus que ça, Euric. Hein. Je vais me dire, attends, la tombe de Votan, j'en ai fait 3. Altan, j'ai fait qui? J'ai fait Auric, Sébastien.
J'ai rien évolué d'autre. J'en ai évolué d'autres. Là, j'ai fait les deux démons. Là, j'ai fait les deux démons et c'est tout, je crois, en évolution de quête. Là, j'ai fait les deux morts-vivants et un elfe. Là, j'ai fait un elfe et Sébastien. Ici, j'ai fait Ori aussi, en plus. Il manque sûrement quelqu'un à évoluer à Altean. Je ne vois pas qui. Je ne vois clairement pas qui. J'avais fait toute la map, de long en large, donc... Le faucheur? C'est toi qui extorquais Eudes et les fermiers? Les taxes payaient leur protection. Grâce à moi, la région était stable. C'est vous qui l'avez plongé dans le chaos. N'essaie pas de justifier tes exactions auprès de moi. Et toi? Tu as pris bien plus que moi. Mais tu prends soin de les tuer avant de leur faire les poches. Voleuse! Ouais, l'autre, d'où il m'insulte? Hey! Peut-être pouvoir tester ma compétence ultime s'il résiste assez. Résistez, bande de cons. Je traque ma proie. Le mec qui ordonne des choses à l'ennemi, quoi. Tu sembles délicieux. Tu es à moi. Six cases, mais c'est énorme, six cases de portée, je suis en train de me rendre compte. C'est là en me mettant au centre, peu importe où le mettre ce même, à compétence ultime, je le dégomme. Hein. Ah, c'était un vampire, d'accord. Laisse-moi te montrer mes dents. Pourrais-tu juste mourir? Voilà, avec un peu de chance, il tue ses compagnons. Yes, il en a tué un. Il a tué la Banshee, c'est pas mal. Je pars pour la bataille. J'exige que tu combattes. Pas mal de boost, hein. Il avait pas mal de boost, le salaud. Il y avait 6, 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, il a fait toute la map. On se souviendra de toi. Ça, c'est fait. Ça, ça m'arrange pas trop, par contre, du coup. C'est bon, tu l'as pas tué. Ça m'aurait pas trop arrangé qu'il le tue. Bah, il n'y avait plus d'ennemis à côté, même si de toute façon j'ai un doute qu'il y en a de nouveau. Je fais un avec tout. Notre bon, c'est intéressant, hein, tant pis. Au moins il fera pas de dégâts, plus que sans explosion. Ah, il y aura la bonne fille. Nevendar aura sa vengeance. Alors là, les deux là, ils ont la ligne de vie là comme ça et comme ça. Hein. C'est goldé, je leur ai offert.
Les ténèbres me suivent partout. Ah là, c'est assez goldé aussi leur package. Laissez-nous tous chanter dans la. J'ai cru pendant un instant qu'ils allaient. Ils allaient tous se paquer au même endroit. Ouais, bah c'est normal, j'en étais sûr. Il faut 5 tours pour pouvoir utiliser la capacité ultime. Rencontre ton destin. Ah oui. Elle a fait le ménage, hein. Je pensais pas que le rayon divin allait être aussi efficace. J'avoue là-dessus que j'ai été agréablement surpris. Les corps ridés et cupides de cupidité s'effondrent lourdement tel un sac de pierre. Trop plein. Ok, ouais, c'est sympa, mais bon. Ah non, d'accord, ok, c'est. Ils sont violentes, dis donc, leur façon de garder les forteresses. Non, c'était pas ça que je voulais faire, mais pourquoi à chaque fois je me plante dans mes touches? Que je suis un boulet. Voilà, comme ça j'ai un équipement au moins qui est full, quitte à avoir fait une bêtise, que ça soit rentable. Vous affrontez vous. Chier, j'avais pas envie de les affronter. De bataille. Je vais m'amuser. Allez hop, deux de moins déjà. Ils ont déjà pris tellement cher. Ils ont pris la foudre déjà, hein. On va même parler de mon indépendance. Et tiens, ça me fait penser, j'ai un dragon noir à mettre en défense. Il n'y a aucune défense. Alors voilà ce qu'il fait le dragon noir. Dommage, j'ai manqué le seul qui m'intéressait. Tout serve Bethrezen.
Bon, l'indépendance de l'escalade, on tue un ce coup-ci. Ah. Elle est bien l'indépendance d'elle, mais elle est quand même assez limitée. Pas besoin de se presser. Ta chair est si douce. Faut que je regarde ce qu'il fait en derrière la ligne, le dragon, quand même. Parce que quitte à avoir un dragon, que je le foute à un endroit où ça puisse m'être utile. Donne ta vie à Galéan. Il y a moyen qu'elle fasse la pas à con, en fait, Banshee. Chose pitoyable. Ah bah. Ils en veulent pas. Normal. Puis l'autre, s'il fait la même, ça va être pas mal, hein. Je lècherai tes blessures. Ah, là c'est bon parce que je vais pas être trop impacté. Je fais un avec tout. Louez-le. Elles vont se paquer dans un coin, ça c'est cool. Ça c'est cool par contre. Non, t'aurais dû aller te paquer avec les deux autres. Mais par contre, ça veut dire que si j'approche assez près mon... Ben j'ai... Il y a moyen que je soigne tout ça tout en dégommant la petite saloperie qui allait se foutre au fond. Ah ! Bon bah ils ont tué ma succube. Bon ça va, c'est pas bien grave mais... Mais voilà, ils m'ont tué. Est-ce que tu saignes ? J'aime bien celui-ci. Ça en est fini de toi. How ? Rencontre ton destin. Pourquoi ? Il y a les gens qui font du bruit dans la rue. C'est honteux. Affronte-moi. Comme ça, il sera plus paqué avec les autres, au moins il prendra moins de dommages. Même si pour le moment, ses angles de tir sont pas ouf. Pas le meilleur move que j'ai fait en réalité, en fait. Maintenant que j'y pense. Ah, je suis un peu con là. Ah, là, j'ai un peu chioté. Endurez ces épreuves. Quittez ces terres. Chose pitoyable. Nous sommes les vrais servants de Bethrezen. Je suis sa fureur. Non, il a loupé les deux, c'est nul. Ah, oh, tant pis. Au moins, j'en ai touché une sur deux. Voilà. Voilà, bon, après il y a la claque. Puisse le Très-Haut être avec toi. Elle n'a pas le choix, elle est obligée d'attaquer le mort-vivant. Il est mal en point, hein, mon chevalier infernal. J'avais du plaisir.
Fais chier son dragon. Il me les brise. La gloire sera mienne. Il n'y a aucune défense. Bien entendu. Ça devrait être amusant. Mort ! Renaissance ! Et mort encore ! J'ai quand même perdu un peu de temps là dans ce combat parce que j'aurais pu finir le combat juste à ce moment-là. Mais non, il y a une de mes attaques qui a échoué. C'est pas marrant sinon. Deux de mes attaques qui ont échoué. Bon là par contre c'est obligé que ça réussisse. Hein. Ça m'a coûté la succube quand même ce combat. Alors c'est quoi sa ligne de fond? Ah ça blesse les ennemis les plus puissants, ouais ok. Il me coûte combien à poser 40 points de commandement. Les ai. Ah, notre premier dragon. What? La vache vous gratifie d'un regard d'une étrange majesté, vous jurez qu'elle est en train de vous juger. Pire encore, vous n'êtes pas à la hauteur. Ma foi, vous êtes la libératrice, donc... dont on n'arrête pas de parler et fermier si je m'abuse. Je suis la libératrice de Noventer, victorieuse de la bataille des Bas-Fonds et de Varentor, assassin attitré de l'empereur en personne, un peu chose près. Ah, ainsi donc, nous parlons... Comparons nos titres, c'est ça. Je m'appelle Emilia, héritière du comté de l'étable, baronne du petit fossé de l'horreur du bois, aux champs aux fleurs jaunes du printemps, propriétaire de la parcelle près de l'abri. Vous pouvez m'appeler M. Dites-moi, acceptez-vous de mettre à mon service sans connaître la nature? Ouais, vas-y. C'est une tentative de faire du moins. Oui, bah oui, j'ai dit le mot pi. C'est généralement Orion qui se charge des plaisanteries. Vous m'en direz tant. Très bien, j'accepte de vous servir. Maintenant, allez-vous me dire de quoi il s'agit? J'aurais beaucoup goûté aux mets interdits. La viande de fermier. J'ai une vache cannibale. Je me dis que si les quatre paradis sont sur le point d'engloutir ce monde maudit, autant m'accorder ce plat dont je rêve tant. Le fermier qui s'occupait de mon étape s'appelait Eud. J'aimerais lui faire l'honneur d'être mon repas du jour. Vous n'êtes en outre pas équipé pour digérer la viande. C'est plus difficile qu'il n'y paraît, croyez-moi. Mes désirs secrets doivent le rester. C'est un sujet qui me concerne que les bratis et moi-même. Ok. Il est où ton fermier? Je
Histoire facile. Viens ici. J'ai quelqu'un qui veut te rencontrer. Par tous les cieux, les cadavres du fléau qui ont balayé Port-Rimarif sont en marche. L'un après les autres, les vagues de morts vivants se succèdent dans le plus grand désordre. Certains tournent la tête et posent le regard vide sur vous. Ça vous semble indifférent. Ils sont en marche, c'est sûr. Mais ce n'est pas encore une attaque. As-tu vu comment ils marchent? Ils donnent l'impression d'être possédés. Tu as raison. Mais qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils vont? Découvrons-le. C'est bizarre, en effet. Suivons-les, mais gardons les distances. Je voulais pas tous les tuer, hein. Le pire, c'est que c'est vrai. Le gardien dans la sombre cathédrale vous accueille avec entrain. Ah, les jumeaux du crépuscule, comme c'était mal de redescendre nous voir sur les plaines aux veuves. Tiens, dites-moi, pourquoi les morts vivants sont en route pour cette église? Bedrezen tire sa force de la foi de ses disciples. Diable vous adresse un grand sourire humide. Si tu veux savoir par ce que j'entends par foi, je te prie de me suivre. Rentrons. Enfin, il s'agit. Mais il... s'il s'agit. Je te donnerai aux éveillés. On ne menace pas un homme avec ce qu'il désire le plus. Mais d'accord, c'est compris. Le mec, il décidera de bouffer. Ok, ouais, non, mais oui. Oui, d'accord. Vous passez la bouche béante de l'église et entrez dans la nef caverneuse. D'innombrables démons et morts vivants y sont ajournés dans un silence recueilli. Je te laisserai l'honneur d'ouvrir le rituel quand tu seras prête. Vous dites que vous pourriez ainsi appeler les renforts pour mettre un terme à cette étrange affaire. Je n'ouvrirai rien du tout tant que tu ne m'auras pas dit ce qui arrivera après. Sommes éveillés, démons déchirés, mais deux moitiés d'un tout, comme toi, Néphilim. À ce signal, nous offrirons à l'un des deux camps corps, esprit, eau, ses langues. Tout. En retour, les dieux nous nourriront. Assez parlé. Que le rituel commence! Disciples, que le rituel commence! Prouvez votre foi aux dieux! L'air sera défi tandis que vous. Tandis que s'ouvrent des portails vers les royaumes démoniaques. De puissantes créatures se déversent dans cette mer, les membres torturés et des mains tendues engloutissent tout sur leur passage. Dieppe vous fait signe et vous invite à rejoindre ce festin charnel. Rejoindre le rituel. Un champion de démons d'Axaros vers vous, suivi d'un autre. Oh, vous ne comptez bientôt plus les démons et morts qui se. Dans ce tourbillon de chair. Vous retrouvez dessous, dessus, puis dessous. La moindre percée de votre corps est offerte, punie, vénérée, utilisée, souffrir et faire souffrir. Quel terrible plaisir. Parmi les gémissements et les appels du rituel, vous distinguez les cris libérateurs de Dieppe implorant l'amour et la corruption de Bedrezen et Mortis. Lorsque vous émergez de la cathédrale, Orion vous observe d'un air arqué, teinté de curiosité. De retour, sans mœurs survisibles, j'imagine que tu l'auras plu. Je plais à tout le monde, maintenant, partons d'ici. C'était une chose de le voir, mais je préfère ne pas entendre ce qui se passe là-dedans. Eh, hey, j'ai gagné de la réputation avec les deux. Et j'ai gagné la vocation du golem. Ouais, oh, tiens. Premier combat avec le dragon. Ak gros. Ressentez la peur. Je vais m'amuser. Y'a plus de zombies. Alors c'est des vampires. Je te sens d'ici. J'ai soif pour ton sang. Et il aurait dû faire un pas de plus le vampire. Je peux en vrai ça aurait été plus intéressant. Laisse-moi oh, oui. Te montrer mes dents. Les
Les os sont faits pour être écrasés. Non mais là ils m'ont offert un mort, ça se trouve. Les choses qu'on fait par... Je vais les écraser. En plus moi je serais rien là, j'ai rien qui me tombe sur le coin de la gueule en termes de foudre. Chose pathétique. Légionnaire, avancez. Brûle dans mes flammes. Parfait. Les mecs, ils ont pris tellement la douille. Bon, il le tue là. On se souviendra de toi. Je vais t'écraser. Normal. Attends, le souffle. C'est un cône de 4 mètres. Ça me touche moi aussi ou pas? Ouais, ça me touche moi aussi, donc il faut que je fasse gaffe. Saignement empoisonné, pas mal. Marchez en paix. Ça m'aurait pas tapé moi le code, ça aurait été mes jouissifs là. La mort est une renaissance. Donne ta vie à Kalean. Pourquoi elle a été blessée? Pourquoi c'est elle que t'as soignée, le jeu? J'ai pas compris. C'est une banshee invoquée pour le juste le temps de ce combat, donc ils sont pas si ouf que ça les dracoliches. Ouais. Ah oui, c'est vrai qu'elle est obligée d'attaquer celui-là. Mes dents se languissent d'une morsure. Tu sembles délicieux. Dommage. Ça en est fini de toi. Ow! Voilà, les vampires en moins. Être amusant. Pourrais-tu juste mourir? Une bande de plus. Ah non, ça n'a pas touché. Je suis deg. Allez, au combat. Tu ne seras pas pleuré. Je vais attendre que le dragon joue parce que comme ça au moins je pourrais avoir un chemin sans... Il faudra peut-être atteindre à côté de... À côté en passant comme ça. Joué. Dommage. Laissez son œil montrer le chemin. Il vous brûlera. Voilà, ça un tout petit peu, mais à chaque fois ça, ça va le faire. Hein. La puanteur, on s'en fout. Solaniel, est-ce que j'entends encore ta voix? Solaniel, c'était pas le nom de Mortis avant sa mort. J'ai quand même servi à rien. Hein.
Elle est quand même aveugle, c'est déjà ça. Une chance d'échouer, c'est déjà ça. Je pense qu'après ce combat-là, vu l'heure, je vais m'arrêter. Nous sommes les vrais servants de Bethrezen. C'est parfait, le mec il vient se faire tuer et c'est goldé quoi. Ressentez la peur. Le mec vient se suicider, c'est magnifique. Est-ce que tu saignes ? Alors là, techniquement, j'ai juste à passer le tour pour le tuer, mais bon. Autant utiliser la magie, hein. Je suis pas convaincu encore par les dragons. Je suis pas convaincu par les dragons encore. Ça c'est bon, j'ai ma 6P. Sauvegarder, c'est ça que je voulais faire. Je me disais j'ai un truc tout con à faire, mais j'arrive plus à savoir ce que c'est. C'est sauvegarder, voyons. Voilà. Du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, si j'arrive. Hein. Et on reprendra peut-être demain. Et ça sera le dernier de la semaine. Hop. Alors, je coupe juste le son du jeu. Donc voilà, voilà. C'est sympa. L'histoire du jeu est sympa, mine de rien. Il y a une certaine rejouabilité parce que, bah, en fonction de tes choix, tu n'auras pas tout à fait une histoire différente, mais tu auras quelques chemins, quelques endroits où ça sera un peu différent. Genre, si tu tues pas la mère de Kowan, Kowan ne peut pas te reprocher d'avoir tué sa mère, je pense. Ce qui serait logique. Les choix par rapport aux factions, clairement, ça, j'aurais pu déjà avoir des vénérés, ça se trouve, et donc avoir la dernière unité. Voilà, on va continuer. Là, il nous reste quoi? Il nous reste 3 zones à faire, plus sûrement une 4e derrière. Voilà, on verra. Sur ce, je vais vous envoyer chez l'ami Ronin, classique. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée, tout simplement. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous remercie d'avoir suivi ce live et je vous dis à une prochaine fois pour de nouvelles aventures.